Classique dans la poche. Oui, c'est un beau semi classique, le cheval le fait très bien. En l'absence de vision intense, on était vraiment très confiants. La dernière fois, il avait été malheureux. Donc il aurait été dans le coup. Aujourd'hui, c'était une distance à sa convenance. Il fait ça vraiment bien. C'est plutôt un cheval de tenue que de vitesse. Oui, il a toujours un petit peu de mal en partant. Il manque encore de force. Je pense qu'il va s'améliorer avec l'âge. Et non, c'est de bonne augure. La suite de son programme, on continue donc dans les semi-classiques, on n'a plus le choix, on court monter maintenant. Ouais, je pense qu'il va faire un peu les deux, mais pour la victoire, ça va peut-être être plus facile autre montée, enfin, quand Vision Intense sera pas là, évidemment. Mais il va courir atteler également, je pense. Louis Viva, deuxième, c'est une belle performance pour elle. Ouais, on n'en demandait pas tant. On peut revenir sur son parcours, tu l'as vécu comment? Elle est partie au galop? Non, elle n'est pas partie au galop. Faut regarder les courses avant de poser les questions, monsieur Hayoun. Elle n'est pas partie au galop, elle est bien, très bien partie. Et par contre, elle a fait une faute en montant. Ça lui coûte cher. Je sais pas, Philippe, ça lui coûte cher, la faute? Bah, on aurait peut-être gagné. Bah oui, peut-être qu'on aurait gagné quand même. Bon, on aurait peut-être gagné. Il est positif, c'est bon. La suite de son programme? Bah là, on avait visé une course fermée, mais du coup, on passe les gains. Alors, je sais pas trop, on va voir. On reste dans la catégorie des semi-classiques alors? Peut-être, ouais. Elle n'a pas été ridicule aujourd'hui, non? Nico, troisième du semi-classique, surprise ou justement un test concluant pour toi? Bah, concluant, parce que la jument, la dernière fois, elle avait couru au semi-classique sur un 2100 qui est quand même plus sa distance parce que ça peut rouler tout le temps. La 2008, elle a tendance des fois un petit peu tirée, un petit peu trop tirée et à peut-être finir un petit peu fatiguée. Donc aujourd'hui, une troisième place, c'est bien parce que le chrono est bon sur un 2008. Puis bon, elle figure semi-classique, c'est une jument qui pourra peut-être être poulinière à l'avenir et figurer, avoir du caractère gras, c'est toujours de bonne augure, c'est toujours bien. Qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui dans son comportement? Bah, disons qu'elle est devenue plus sage pour partir. Devant les tribunes, Anthony m'a dit qu'elle était bien calme, qu'elle était bien au bout des doigts. Par contre, en montant, il y a du vent qui s'est mis à souffler un petit peu. Ça l'a branché. Donc j'aurais préféré qu'elle respire un peu plus à cet endroit-là pour négocier la montée à sa main. Et puis après, par contre, une fois arrivée dans le plat, redémarrée, elle s'est mise en route un petit peu trop tôt. Mais sa vraie distance, elle est comme son père, Mr. Président, c'est 2100. You gotta be what you are. Only thing I'm missing is a black guitar. I'm a rock.